Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez cette petite maison, cette petite bicoque. Bon, elle est quand même un peu plus élaborée que celle qu'on avait à la génération précédente, mais nettement moins bien que celle qu'on aura tout bientôt. Et oui, parce que ça y est, je pense que dès la semaine prochaine, la génération bourgeois commencera officiellement. Ah, bah dis donc, ça en fait des changements dans la vie. Tiens! Voilà Godefroy qui se lève et qui va commencer sa journée. Et vous avez donc voté en masse pour le futur fiancé d'Adélie. Et c'est donc Gaspard qui a gagné. Merci énormément d'avoir voté un peu pour mon chouchou. Alors il paraît que j'influence les votes en disant ça, mais en même temps, si vous vous demandez lequel est mon préféré, comme ça a déjà arrivé dans les commentaires, et ben vous le savez. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci énormément aux plus des 500 personnes qui ont voté. Ça me fait un plaisir immense. Vous avez pas idée. Alors, mille merci. Et puis, tant pis, même si Gaspard a gagné et qu'il a joué deux pistons que je lui ai donnés, et ben moi, ça me ravit. Séraphine, va prendre son bain parce qu'elle commence à fouetter un petit peu. C'est vrai qu'on les avait laissés après un petit crac-crac. Un petit cracra qui peut-être l'a fait tomber enceinte. Donc faudra surveiller ça. Bon, pour l'instant, notre héritière dort encore à point fermé. Super. Alors que Amédée, oh bah il a envie de s'occuper des plantes. Je vais le laisser faire pour une fois, ça c'est bien. Radegonde, elle fait la vaisselle. C'est top. Et que fait Godefroy? Non, non, non! Oh, trop tard. Il s'occupe de faire le ménage. Ça va pas du tout, ça, Goddy. Non, non, allez, vas-y, tu vas me fabriquer un meuble. Qu'est-ce que tu vas me faire? Un siège de salle à manger, tiens, voilà. Radegonde, elle va s'occuper de la vaisselle, t'es bien mignon. Bon, les abeilles sont déjà bien réveillées également. Donc, je m'occupais comme si je devais m'occuper de tout, comme d'habitude. Notre petite Radegonde va aussi devenir vieille dans très peu de temps, hein, dans 2 jours, mais je pense que on sera déjà parti à ce moment-là. Donc, à voir. Oh là là, attention, parce qu'elles sont toutes les deux en train d'être face à face et j'ai peur qu'elles se tapent sur le système, qu'elles s'insultent et compagnie. Non, 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 je vous ne laisserai pas faire ça. Vous allez échanger des politesses parce que vous êtes bien apprises. Séraphine est enceinte! Ah, la petite gerbe du matin, après les macaronis, ça c'est sûr. On n'a qu'à regarder un petit peu ici, si on voit la double flèche. Et la double flèche dans la fin. Séraphine attend un hibou. Ça, c'est bien. Bon, pendant ce temps-là, eh ben, ma petite Radie, elle bosse son tricot. Ben, il faut, de toute façon, parce qu'il faut qu'elle arrive au niveau 8 assez rapidement. Parce que, ah, c'est bon, on va y arriver là aujourd'hui. Ah, ça, c'est cool. Parce qu'elle pourra faire des grenouillères pour les enfants d'Adélie. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'elle bosse. Ah, on va y arriver tranquille. Ouf! Pendant que notre petite héritière s'éclate dans la baignoire. Elle a bien raison. Voilà. C'est après, on va appeler ton amoureux, qui ne l'est pas encore, mais qui le saura bientôt. Et puis voilà quoi. Allez, ma petite Radegonde. Il te reste 3% avant d'atteindre le niveau 8 et de faire enfin les grenouillères. C'est pour ça que c'est just in time, c'est perfect. 99%. On y est. Elle va avoir fini son pull, elle va pouvoir le détricoter et après. Eh ben, tu pourras faire des jolis cadeaux à ta fille. Voilà. Déjà qu'on va lui faire. Voilà, yes! Ah, oh, yes, c'est bon. Déjà qu'on va lui transmettre, tu peux déjà le détricoter. On va lui transmettre aussi le fruit du dragon qui avait été donné par ses parents, Mathurin et Pétronille, qui leur avaient offert à chacun de leurs enfants. Et je me suis dit pourquoi pas transmettre le fruit du dragon. Eh bien, de génération en génération, comme un précieux trésor qui marque aussi l'évolution de la famille et de ses descendants à travers les classes sociales et le temps. Ah bah d'accord. Radegonde, elle s'est dit, bah tant qu'à faire, je vais aux toilettes, autant tricoter aux toilettes. T'as raison, tiens. C'est un peu chelou, mais t'as raison. En même temps, on l'avait vu dans le trailer hein, de tricot qu'on pouvait tricoter vraiment partout. Oh non, mon pauvre Amédée! Mais ces abeilles, elles veulent ta mort ou quoi? Oh, les saletés! Oula, oula, oula! Entre Godefroy qui fait son bain, Gradgonde qui est toujours aux toilettes pour tricoter, et Amédée qui se balade, qu'est-ce qui t'arrive, Amédée? Pourquoi t'es énervé? Socialisation? Oh, bichon!
Ouais, puis t'as vu des Hein? horreurs. Oui, bah ta femme sur les sur le pot et ton fils dans le bain. Hein? C'est Bah vrai que c'est oui, hein. horrible. Hé, mais Séraphine, non, 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 tu. Alors, tu laisses ça à ton fa... ton amoureux, enfin, ton mari, il a la dalle là. Tu lui as piqué les macaronis sous son pif. C'est, tu sais bien que malheureusement à cette époque, c'est les hommes avant vous, hein. Donc voilà, on va dire que tu lui as servi la l'assiette au lieu de la bouffer pour toi. Aïe! Amandine! Amandine a gagné 1231. Mais c'est qui Amandine? Mais qui, quoi? Mais ces abeilles, j'en peux plus. Elle joue avec son papou. C'est mignon de jouer avec son vieux papou. Je veux pas dire, mais ça fait quelques jours qu'il clignote, hein, le petit Amédée. Donc, après, il est actif, donc il résiste un peu plus longtemps, mais bon, il est pas éternel, hein. Bon, c'est déjà la fin de la journée. Radgonde, elle en peut plus, donc tu vas aller dormir. Amédée, lui, il est très très bien réveillé encore. Le petit Godefroy, il va aller dormir. Et ma petite cocotte, tu viendras nettoyer les toilettes. Voilà. Et puis tu iras te coucher après. Hé! Waouh! Ce bidou, ma petite Séraphine! Eh oui, ça y est! C'est un petit bébou. Mais allez faire crac-crac pour fêter ça, les amoureux. Oh, on sera pas là pour la naissance. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Godefroy et Séraphine vont avoir un bébé. Un petit Aubert. Pour reprendre l'histoire de la famille des Auberts, quoi. Oh, c'est le premier jour d'été et c'est aussi le solstice d'été. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On doit boire un coup et avoir l'esprit fêtard. Oh, mon pauvre Amédée. Mais pourquoi t'es triste comme ça? Oh, il est tristoun parce que bah parce qu'il doit pisser. Pas pour autre chose. Eh ben ma petite Séraphine, ça va être le bon moment pour partager la bonne nouvelle à la famille. Radgonde, Adélie, aussi notre bon vieux Amédée, ce sera une bonne occasion. Oh, devinez, Radgonde, vous allez pouvoir materner parce que... Oui, ça y est, je suis engrossée, hein, trop bien. Voilà, ça chante, hein. C'est le solstice d'été en même temps, donc ça chante, hein. Ils sont contents, tout ça. Oh non, encore un problème de lessive. Bon, allez, Adélie, on va commencer à lui apprendre les choses de femme, les choses de grande, puisqu'elle va faire sa lessive. Enfin, la lessive pour la famille. Mais c'est bien, elle s'entraîne. Alors que Radgonde est retournée à tricoter ses grenouillères pour bébé qu'elle n'avait pas fini. Ah, quel thug. Oh, purée Trancrête, comme il est pas beau et tout vieux. Oh, my god. Bon, bah, Adélie, comme ses sœurs, elle a foutu de l'eau partout. Allez, tu peux me... Non, 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 non. Tu t'occupes, dis donc, de la lessive. Fais pas la tête, hein. C'est que le début des emmerdes pour toi, ma cocotte. Je suis désolée pour toi. Mais non, mais elle a fait la lessive, mais elle a oublié un tas ici. Oh là 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 là. Bon. Je lui pardonne parce que c'est nous, une jeune fille. Non, non, mais c'est bon. Je vais le mettre moi-même dans le panier. Tiens, 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 mais que fait-elle, cette jolie demoiselle? Est-ce qu'elle recherche un mec mortel? Ben justement, il est là. Il est là. Il est arrivé. Ça va être le moment de les faire s'engager l'un vers l'autre. Ça va être beau. Mais qui c'est celle-ci? Chantal! Mais on te connaît pas? Pourquoi t'as pas de cou? Madame, t'as un petit souci, tu n'as pas de cou. C'est flippant. Oh non, l'esprit de Petronille va disparaître! Oh, mais oui, mais on sait pas où elle est, ça tombe. Moi, ça me tristesse tout ça. Allez, c'est la fête! C'est les confettis, Gaspard! Sentiment obtenu! J'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble, je crois que grâce à eux, on est plus proches que jamais. Oh, il aime la musique! Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Et machine à danser! Ah bah dis donc! Mais mon petit, il est très branché musique, le petit bourgeois là. Allez! En attaque! En attaque! Est-ce qu'il est... Oh oui! Ça a l'air de fonctionner, ma belle! Non, mais Séraphine! Casse-toi de là! Va aux toilettes, va manger, mais fais autre chose! Tu nous déranges! Séraphine! Va-t'en! Quoi, 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 quoi? What?
C'est lui qui a sorti le petit truc de Guy pour pouvoir l'embrasser? Oh my god! Oula! Par contre, il y a un petit bug quand même. Oh là là. Oh là là. Eh ben voilà, c'était d'une facilité sans nom. Comment voulez-vous qu'ils résistent à cette belle jeune fille? Oui, ils veulent bien devenir petits amis. Voilà, magnifique pose, très 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 d'époque. Hein. Oh là là, ça y est, c'est l'échange des anneaux, les enfants. C'est parti. Ils sont donc fiancés, promis entre guillemets. Eh, hey, mais rechoppe-le un coup. Rechoppe-le et coupe pour faire un baiser passionné. Ah là là, l'amour a frappé pour Adélie Aubert. Bientôt, Adélie... Hey, avec un autre nom, vous inquiétez pas, j'y ai déjà pensé. Oh yeah. Coucou Lali, regardez comme elle est belle. Comme elle est belle en étant relookée en petite bourgeoise. Eh oui, c'est ce qui attendra aussi Adélie. Mais qu'est-ce que... Bonjour monsieur. Jean-Claude, qu'est-ce que tu me fous là toi? Mais il m'a mis des ordures partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce sagouin? Adélie, tu peux ramasser ça, s'il te plaît, ma biche. Mais qu'est-ce que c'est de ce type-là? Mais cassez-vous. Regardez comme ils sont tous autour du nouveau venu dans la famille, là. Hein? Et vous êtes, toi, c'est toi, alors, le futur mari d'Adélie? Ah ouais, alors du coup, vas-y, te commenter. Et ils vont te le regarder sous toutes les coutures et tout. Même Lali, elle est venue exprès. Hé! Non, 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 non! Mais c'est pas vrai! Mais c'est... Amédée, tu touches pas au chaudron. Il est en train de les faire, les macaronis, là. Oh là là. Je vais quand même vendre les productions de la maisonnée, puisqu'on est encore dans la génération artisan pour la toute dernière fois. Je vais le faire. C'est parti, je vais donc vendre les productions. On est à 5042. Pour le miel, on aura 1087. Une sculpture à 60. Une autre sculpture à 40. 3 bougies, 75. 2 autres bougies, 70. Une autre sculpture à 30. Ok, on est bien. Sachant qu'Amédée, il a rien. Sauf ça, tu peux le composter si tu veux. Voilà, c'est bien. J'ai fait le ménage un peu dans les trucs de tout le monde. On va passer à l'inventaire de famille. Oh là 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 là, dans l'inventaire de famille, nous avons 5 tables de salle à manger. À 2520 simflouz. 7 chaises à 900 simflouz, 2 jardinières à 140 simflouz, 8 baignoires, ok, à 11325 simflouz et un miroir à 350. Une décoration murale aussi à 500. Waouh, on est pété de thunes, hein, on est monté à 22139 simflouz. Donc je vais enlever les 45% du seigneur. Tandis qu'à l'étage, les vieux, ou presque, sont en train de picoler. C'est normal. Donc sur le total des 22131, bah voilà, ça a déjà baissé, tout va bien. Nous avons gagné en fait 17097 simflouz et la part du seigneur s'élève à 7693, ça fait qu'il nous reste 14446 simflouz. Voilà! C'est énorme, on comprend pourquoi ils vont devenir bourgeois, parce qu'ils se sont embourgeoisés. Oh là là, qui c'est qui est mort? Sarah Marie Flaubert! Oh mince, c'était la sœur d'Amédée et la femme de Fulbert. La pauvre petite Séraphine qui a des grosses fringales alors qu'elle avait pas fini sa nuit. Donc c'est bien, elle va manger. Tu retourneras rapidement au lit quand même, ma cocotte, histoire d'eux. Et puis après, on va te laisser faire ta grossesse et ta nouvelle vie, hein, de femme mariée avec ton petit mari. C'est qu'elle s'applique, la petite Adélie. Voilà, c'est bien. Elle met. Tiens, tu peux me faire un tri des déchets recyclables. Au cas où, comme ça, ça. Oh! Et ça, c'est quoi? Bah, tu pourras le jeter, ma cocotte. Parce que je pense qu'il y en a qui se sont encore amusés à venir fouiller dans la poubelle. Pendant que. Il y en a une qui retourne en enfance. Qui s'apprête à jouer, bah, c'est bien, elle pourra s'amuser avec ses enfants, c'est bien, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites tous là? Autour de Godefroy, vous allez le perturber. Mais c'est bien, elle passe du temps avec son petit daddy, parce que bon, bah, Adélie, toi et moi, nous tous, nous allons te suivre. Et je pense qu'aujourd'hui est une bonne journée pour déménager et partir pour une nouvelle aventure.
Et ouais, déjà, l'aventure de la bourgeoisie, l'aventure de la génération bourgeoise. Je laisse le soin encore à Radgond de faire une nouvelle grenouillère. On en aura quatre, je pense que ce sera bien assez. Aïe aïe aïe! Alors, les dernières factures concernant la génération artisan sont de 1115. Ok, et bah ce sera à m'aider de les payer. Oh, petit zoom sur l'arbre généalogique de notre famille. Et Frénégonde a donc eu un petit garçon qui est donc un petit roux comme son papa. Et je crois que les yeux sont si de celui de son papa. Tandis que bah, la petite fille de Eulalie, pour l'instant, est encore bébé. Tiens, tiens, ma belle, regarde qui est là. Et c'est ton amoureux, ton futur, ton avenir et ton présent. Et voilà, c'est beau. C'est très beau. Il a l'air de se faire un peu chier. Allez, viens lui faire un petit enlacement, là. Viens lui faire un petit bisou, un petit câlin. Qu'est-ce que tu fais? Te moque pas de lui, hein. Ah, ça y est! Radgond a enfin fini son tricot. C'est merveilleux. Alors qu'ils se font des petits mamours. C'est génial. Regardez-le, lui. Mais il est à fond, hein. Ah, il va vraiment embrasser notre petite. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas donner, offrir un cadeau. Cadeau amical. On va déjà t'offrir le fruit du dragon, ma petite Adélie, puisque tu es l'héritière en titre. Alors, on va dégager cette assiette qui pue, quand même. Voilà. Passation de pouvoir. Passation du cadeau. Est-ce que ça te fait plaisir, ma cocotte? Il y a l'air. Oui, bah oui, tu m'étonnes que c'était généreux. Un autre cadeau. Cette fois-ci, ma petite, c'est quand tu pourras te... quand tu te feras engrosser et quand tu pourras avoir des mouflets. Dis donc, t'es gâtée, ma petite Adélie, moi je te le dis. Encore une grenouillère. Encore un cadeau. Ce n'est pas ton anniversaire, ma petite Adélie, mais c'est tout comme. Puisque bah, tu vas t'en aller. Et quand tu t'en iras pas les mains vides, puisque bah, tu auras beaucoup de cadeaux. Voilà, on a trois grenouillères, on a le fruit du dragon. On est presque bon. C'est nul, hein. On a passé la journée pratiquement sans être triste, et c'est maintenant que c'est le soir, bah voilà, plus rien ne va, quoi. Plus rien ne va. Oh là là, je suis en kiff, là, regardez, ils sont tous assis à table. Oh, ils sont tous beaux, ils discutent et tout. Un bon moment de famille. Oh, ils sont encore amoureux, ces vieux-là. Bon, pour l'instant, bah, comme vous voyez, Amédée n'est pas partie. Radgond clignote. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois et sûrement sans nous. Puisque, ben voilà, dès le prochain épisode, Adélie aura déménagé avec Gaspard dans leur nouvelle petite maison. Enfin, nouvelle maison. Grande maison, jolie maison. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez Adélie, je t'invite à aller dormir. Pareil pour les vieux gâteux, hein, tant qu'à faire, ils s'aiment toujours mais ils peuvent pas faire crac-crac. Et toi mon petit, tu viens pleurer dans ton lit à côté de ta femme. Et c'est comme ça qu'on va dire au revoir. Oh Eulalie! Oui bah Eulalie, je suis désolée mais là il est tard, donc tu peux repartir ma cocotte. On te verra une autre fois avec grand plaisir. Et alors que tout le monde part se coucher, eh ben nous on va s'en aller. Voilà, c'est la fin de la génération artisan. Qu'est-ce que tu fais? Mais dors, toi! Mais il est fou, lui. C'est la fin de la génération artisan. L'épisode prochain, ce sera les débuts de la génération bourgeois dans un autre endroit, une autre maison et une nouvelle famille avec Adélie. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à bien sûr liker, commenter et le partager, ainsi que partager ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!